والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الحمد لله ستنمات إلوش بالله نحمده ونستعينه ونستغفره نفس إلوش نشس إد أبكلي إن دمان نباده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نشهد بروتكشن avec Allah contre le mal qui nous fait faire et contre nos mauvaises pratiques. من يهده الله فلا مضل له. Celui qui Allah Ta'ala fin guide lui, peine à personne qui peut capable égaler. ومن يضلله فلا هادي له. Celui qui Allah Ta'ala fin laisse lui égaré, peine à personne qui peut capable guide lui. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Moi témoigné qui peine à aucun vrai bon Dieu excepté Allah, l'unique, peine à aucun associé avec lui. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et moi témoigné que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li Allah ta'ala son serviteur et li son messager. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ta'ala envoie bénédiction lo li, lo sa famille et lo sa bon compagnon. أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه النسائي وغيره إن أصدق الحديث كتاب الله. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده حديث authentique le dit certainement parole qui plus vrai c'est le livre d'Allah. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Les jolies façons de vivre, c'est vivre dans façon que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin vivre. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Pratique qui pas bon, c'est l'innovation. Wa kulla muhdathatin bid'a. L'innovation, c'est bid'a. Wa kulla bid'atin dalala. Bid'a, c'est l'égarement. Wa kulla dalalatin fin nar. L'égarement, li amène vers différents enfers. Amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, si nous présents là, ici, à Zodi, ou bien n'importe qui place dans ça les mondes là, Allah ta'ala fin choisir où, Allah ta'ala se faveur au colo où, pour un témoin, un nouveau l'année qui ou peut le vivre. Imagine bien que beaucoup qui t'y là l'année passée, pas juste dans Maurice, mais en tout le monde, pas là, ça l'année là, pas fin récit, témoigne, ça nouveau l'année là. Si Allah Ta'ala fin laisse ou témoigne, li, se faveur en colo ou. Et nous pas connaît qu'il y fin réservé pour nous, plus après, donc nous espère le bien qui Allah Ta'ala fin garder pour nous. La question qui se pose, date qui nous était aujourd'hui, un an avant de cela, et pendant sa l'année qui finit traverser là, qui m'a l'avancement qui m'a fini faire? Qui m'a l'avancement qui m'a fini faire depuis l'année passée jusqu'à fin arrive à Zodi? Qui nouveau qui n'est arrivé dans mon vie? Beaucoup de monde qui a dit, imam, ou fou, ou pas tu peux vivre dans le monde, ou pas connaître qui problème fin arrivé, qui l'avancement peut dire du monde il fait? Quand nous pédions l'avancement, nous pédions l'avancement spirituellement. Entre nous, avec Allah Ta'ala, nous connexions qui nous est là. Qui nous l'avancement? Est-ce qu'il y a encore pareil ou bien les fins améliorées? Parce que vous connaissez le réseau téléphonique, l'INSE 2G, l'INSE 3G, 4G, jusqu'à même il arrive 5G. Et très bientôt, il peut augmenter encore là. Ou réseau avec Allah Ta'ala. Comment y était? Il y a encore molo molo? Il y a encore casca ce même réseau là? Ou bien les fins renforcées, les fins améliorées? Ça a un an qui finit traverser là. Nous pas pour l'avancement d'Ounia, mon père dit. Parce que si nous avons l'avancement d'Ounia, ça va une situation qui finit traverser là. Allah Subhanahu wa Ta'ala, une seule chose
li peut faire nous comprendre à travers sa situation qui vient traverser dans le monde. ذلك يخوف الله به عباده. C'est comme ça que Allah Ta'ala fait ce ban ibad gain peur. Prenez tout ça ban situation là, tout ça ban problème là, c'est pour faire ban dimoun gain peur. Ya ibadi fattaqun. Allah Ta'ala dit que ce ban serviteur paye moi et n'a la frayeur pour moi. Ou imagine où un simple petit virus qui ou pas trouvé avec l'œil nu. Fin faire ça les mondes là dans toupie. Fin faire ça les mondes là à genoux. Ou pas pire? Ou pas corrige ou la vie? Allah Ta'ala fin montrer ou qui porte un simple petit virus. Li capable prend ou la vie à n'importe qui moment. Ou pas pire? Ou pas corrige? Allah Ta'ala fin montrer ou qui qualité rabid ou capable été? Qui qualité serviteur ou capable été? Mou pas besoin de ibadat mo en mois Ramadan en masjid reste fermé to faire Ramadan dans toute la case. Allah Ta'ala pas besoin de ibadat. Inna Allah huwa al-ghaniyul hamid. Allah Ta'ala il déjà riche, il pas besoin toi li to pas peur là si tu pas corrige toute la vie. Combien ban commerçant, combien ban grand dimoun ban businessman qui péroule ban grand business qui azodi péroule losante qui prêt pour mettre 4 blocs tout là qui a fini là. Là, si nous pas corriger, là, si nous pas pire, si arrivé un musulman, PGLIPP, chers frères et sœurs, c'est un père qui mentit. Saisis-le la bouche. Qui fait? Parce que si vraiment un musulman, tu pères, si vraiment un musulman, il a la frayeur pour Allah Ta'ala, azodi, nous pas t'y bougain, aucun musulman impliqué dans une démagogie, qu'il y soit un crime, qu'il y soit un viol, qu'il y soit n'importe qui qualité, problème encore. Si vraiment musulman t'y perd, si vraiment musulman gagne peur, un commerçant, il t'y pense 10 fois avant qu'il y viole droit sur client, quand il peut vendre un qui sort qu'il a défaut avec lui, sans qu'il y fait lui comme ça défaut là. Nous disons nous peur, comme ça qu'il nous peur. Si vraiment nous finissons gagne peur, quand on a l'interview, nous connaît, nous bizarre rentre dans l'air, ou bien même nous rentre plus bonheur. C'est moi quand on a interview avec Allah subhanahu wa ta'ala quand on a une namaz. Blier dans l'air, blier plus bonheur. Après l'air là, si on retourne là, si nous pas venir, nous encore dire nous paye Allah ta'ala. Si vraiment nous paye Allah ta'ala, mon petit poussanti moi capable pour me faire un effort, moi le faire un espionnage de mon frère. Qui est-ce qu'il peut accomplir l'obligation envers Allah ta'ala? Et pourtant, moi-même, moi, je ne peux pas mettre en pratique ça, l'obligation-là. Mon codier, mon père, Allah Ta'ala. Si mon codier, comme ça, mais ça menti, ça l'a frayé là, il menti. Il encore nous la langue, il ferme entre nous les dents avec nous la midale. Il ne peut pas paraître dans nous la vie, ni il finit descendre dans sa lèque là. Mais Alhamdulillah, Alhamdulillah, encore un man dimoun, azodi qui peut gagner tracas sa din là. Encore un man dimoun, azodi qui peut gagner tracas sa oumat là en entier. Encore un man ulama qui finit mettre quelques points de l'avant. Qui nous peut élaborer, Inch'Allah. Comment nous capables de faire pour augmenter la frayeur Allah Ta'ala dans nous? Parce qu'ils sont la frayeur Allah Ta'ala, nous ban armal jamais pour venir correct. Mais ça va nous ulama là, fin, essaye. Mettre un bon point devant nous qui, si nous assisons, nous réfléchissons là, peut-être. Papa Diaou, si elle est, peut-être, pour ça, nous la frayer, nous la paix pour Allah Ta'ala, l'ika augmenter, l'ika une faux dans nous nafs, l'ika apparaître dans nous la vie. Premier point de réflexion qui s'en va nous avant là, amené, je Diaou, c'est At-tafakkur fi dhunubik. Assiser, réfléchir, faire une réflexion, l'autoban péché. Nous connaissons tout le monde fait péché. Tout le monde fait péché. Il n'y a aucun monde qui a dit, je connais moi, je suis saint, je suis descendu de la terre. Non, on mentit ça. Tout le monde fait péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, si c'est un bon monde qui participe à faire péché, je ramasse d'autres, je mets un bon monde qui fait péché, mais en retour, je demande moi pardon. Tout le monde peut faire péché. Mais, assisez, réfléchis le bon péché qui te fait faire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit A'laman aqwaman min ummati. Mokon en ban qawm, en ban peuple dans mon ummat qui pouvini
يأتون يوم القيامة. Je peux venir يوم القيامة بحسنات أمثال جبال. Je peux venir avec une bonne action, comme on dit une montagne. Une bonne حسنات, une bonne action, comme on dit une bonne montagne. فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. Allah Ta'ala dit devant vous même pour faire sa bonne action là vient en bout la poussière. So ban bon action pour finir devant sa dimoun là. قال ثوبان un sahabi lui dit يا رسول الله oh messager d'Allah صفهم لنا دل لهم لنا décris-nous sa bonne dimoun là, explique-nous bien. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Attention qui nous vient parmi sa catégorie là et nous n'a pas connu nous parmi eux. Alors explique-nous, décris-nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: Amma innahum ikhwanukum. Certainement ces autres bandes frères qui pouvinent après eux. Wa min jildatikum. C'est dans eux même race avec eux. Wa ya'khuduna min al-layl kama ta'khudun. Et je te prends dans la nuit pareil comme les autres pensent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font l'ibadat pendant qu'il y a des gens qui font l'ibadat. Voilà, c'est la différence qu'il y a. « Aqwamun idha khalaw bimaharim illa intakahuha » C'est un bon des gens quand je toussèle. Quand je toussèle, je transgresse la limite d'en faire péché. Que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sa parole. Il y a une bande de monde qui peut faire ibadat Allah Ta'ala, oui, mais quand je tousse, il n'y a aucun de monde. Je transgresse limite, je n'ai pas honte pour désobéir à Allah Ta'ala. Sa bande de monde là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit Allah Ta'ala pour faire cette bonne action, il la poussière devant eux. Et comment un mu'min, il suppose, trouve ce péché devant lui? Comment? Quand il fait un péché, comment il pourrait repentir? Il faut les trouver péché là, quelque chose énorme. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-mu'mina yara dhunubahu. Un mu'min trouve ce péché ka'annahu fi asli jabalin. Comme dit, il côte une montagne en bas. Là, il peut djibouté là, et une montagne devant lui. Yakhafu an yaqa'a alayhi. Sa mu'min là peut pire. À n'importe qui moment, sa montagne là, il graine l'eau. C'est comme ça qu'un mu'min il trouve ce péché, même péché là petit. Quand il a assisé, il réfléchit, il peut trouver péché là grand parce qu'il vient désobéir à Allah Ta'ala. Petite affaire ça. Il trouve ce péché comme on dit une montagne qui prêt pour graine l'eau. Wa innal fajira, mais seulement un dimoun qui pas bon, un dimoun qui négligent, un dimoun qui pas prend en compte. Il comme on dit moi, j'ai une feuillasse, vous comprenez là, il bouge avec la brise, il souffle de gauche, il y a de gauche, il souffle de droite, il vient de droite. Il n'est pas stable dans son lavis. Yara dhunubahu kadhubabin. Il trouve ce péché comme s'il dirait un mousse ou bien un moustique. Waqa'a ala anfihi. Ça vient poser le son néné. Qui nous réaction quand un mousse vient poser le néné? Soit nous bouge nous figure, soit nous pousse avec nous la main. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça même l'exemple il donne. Qala bihi hakada fatar. Comme si dirait ce péché, c'est un mousse, il est poussé comme ça, fini. Mousse en allé, ce péché finalé. Non. Un mu'min, jamais il trouve ce péché comme ça. Alors, assisé, réfléchis le bon péché qui nous finit faire. Pense à bon péché là, peut-être Allah Ta'ala qui a fait nous gagne la frayeur pour lui et nous commence à payer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point de réflexion qui m'a savant amené, c'est At-tafakkur fil mawti wa shiddatihi. Pense la mort et souffrance, douleur qui est là dans sa l'étape là. Vous connaissez tout le monde qui fin gagne un nafs, tout le monde qui fin gagne la vie, sans doute il y en a pour goûter la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pena sortir de là, ou content ou pas content, il arrive où l'air ou pas d'accord pour aller ou sauver. Qu'il n'y a pas de côté ça ou aller, quand il arrive où l'air pour aller ou besoin aller parce qu'il y a un nafs ou besoin goûter la mort là. Aina ma takunu yudrikkumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada. Pas importe côté ça tu étais là ça la terre là yudrikkumul maut. Toi tu pas les joindre l'amour là toi tu es sauvé l'amour là pour venir joindre toi. Wa law kuntum fi burujin mushayyada. Même toi dans une forteresse
bien en dents, qui bien solide, qui bien faux, l'amour là pour venir toi là-bas. Fais ce qui t'envie. Tenez pour moi. Tout le monde est pour goûter l'amour. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le sol il lit l'amour. Le sol il lit l'amour pendant qu'il peut quitter sa dunya là. Cela peut battre. Cela peut battre. Qu'il peut dire à ce moment-là, La ilaha illallah, inna lil mawti sakarat. Inna lil mawti sakarat. Certainement, l'amour, yéna soban douleur, yéna soban souffrance. Imagine où, si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pan sa paix avec ça. Ou vous savez où? Ou vous savez où? Alors, assisez, réfléchissez, tchigit lo salamo là, et dans sa l'étape qui tuena pour traverser là. Elle voit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, puis assisez avec son man compagnon. Gonne man sahabi, tout le temps, je suis content qu'il y ait l'information, plus d'autres. Ce n'est pas comme nous qui nous dans un programme 15-20 minutes, nous finissons plein ou bien via la case. Non. Quand nous avons un bout, nous avons droit en cours. Tu peux assiser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu peux demander quelques bonnes questions. Une parmi les questions que ce sahabi la pose, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait ayyul mu'minin akyas. Qui sont là parmi les mu'mines? Qui sont là parmi les qui viennent amener l'iman, les intelligents? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Aktharuhum lil mawti dhikra. C'est lui qui est plus intelligent parmi nous, c'est celui qui pense l'amour plus beaucoup. C'est lui qui pense l'amour plus beaucoup. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, pas n'arrête la même. Donc, il dit Manen tibout, moi, donne une dose, un tigit plus. Wa ahsanuhum, meilleur parmi ce man intelligent là. Lima ba'dahu isti'dadan. Zot prépare pour ce qui peut venir après. Ça, c'est un vrai intelligent. Oula ikal akias. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une définition sur l'intelligent qui était. C'est un djimoun qui pense l'amour souvent, et il pas il pense l'amour là, mais il prépare pour ce qui peut venir après. Deuxième point de réflexion à faire, c'est pense nous l'amour et souffrance, douleur qui nous est là pour traverser là-dedans. Peut-être pour ça, ça augmente la frayeur pour Allah Ta'ala. Troisième point de réflexion, c'est At-tafakkur fi su'i al-khatima. Imaginez, attention ou la fin, c'est un mauvais la fin. Attention quand vous pouvez terminer ou la vie termine, c'est un mauvais qui chose. Connaît tout le monde pas la même qualité l'amour. Elle dit que tout le monde a tout le monde. Tout le monde peut goûter l'amour. Mais tout goût, pas pareil pour tout le monde. Chaque monde a son propre goût pour lui. Attention, quand vous goûtez ça l'amour là où il y a un sou, il est mauvais. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Wa ma tadri nafsu ma da taksibu ghadan. Un nafs n'a pas connu qui peut arriver lui demain. Wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut ni même un nafs li connaît lo ki la tire ki li pou kit sa dunya la. Alors fais attention, attention to la fin, y a une mauvaise la fin. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li dit innamal a'malu bil khawatim. Toute bonne action qui te fin faire pendant ton vivant li base lo ban dernière action qui te peut faire avant qu'il te quitte sa dunya la. Comment sa parole là fin vini? Une fois Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec son sahabi, tu peux la guerre dans une bataille. Tu peux la guerre et là-dedans, parmi les gens, tu as un djimoun qui est bien brave. Quand il peut la guerre même, sa qualité. Quand il prend sur les pays, il est là, sa qualité, il est transé, il est là. C'est quand même un sahaba, je suis étonné. Je dis, il y a ça djimoun là, comment il peut la guerre avec bravoure? Vrai même, il peut la guerre correct. Il tipe la guerre, correct, parmi ban musulmans, contre ban l'ennemi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en parmi sa man sahabi la, avec lui, j'ai dit, Ya Rasoulallah, get sa di moun la, comment appelle la guerre? En beauté pour get ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, c'est un habitant qui fait l'enfer. Hein? Nous réactions là comme ça. Pe la guerre côté man musulman, y a un habitant qui fait l'enfer? Sa sahabi là qui lui fin faire, lui fin al guetté vrai même qui action qui ça, di moun la ka pe faire. Là, il retourne à guetté la guerre, il trouve lui fin blessé partout.
fin gagne 10 mal partout normal si ton li pe la guerre avec un bravo ben n'a pas fin capable tout il mais c'est mal fin blesse li mais ça dit moun là avec sa souffrance qu'il peut gagner là qu'il fin faire dernier là il prend son épée il tourne li vers lui-même et il pique avec lui. Il prend son épée, il pique avec lui-même, il suicide lui dans sa champ de bataille. Tout de suite, ce sahabi a galopé avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Ashhadu annaka Rasulullah. Mon témoigne qui vraiment te le messager d'Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit mais qui est arrivé? Il dit un tel fin suicide lui dans le champ de bataille. À ce moment-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit tu as trouvé un bon dimoun, tu peux faire action, un habitant l'enfer, mais dernier lieu, il rentre dans le paradis. Et pareil, tu as trouvé un bon dimoun, tu peux faire un bon action, habitant au paradis, mais dernier lieu, sur place, c'est l'enfer. Et là, il dit innamal a'malu bil khawatim, tout au bon action, il base au bon dernier action, qui tu peux faire. Alors, imagine bien, attention qui nous la fin, li un mauvais la fin. Quatrième point de réflexion qui est avec nous, c'est At-tafakkur fil qabri wa adhabi. C'est assiser, réfléchir le qabar et ben adhab qui est là-dedans même. Qu'on n'est pas besoin d'attendre yom al-qiyama pour commencer à gagner adhab, non. Et puis de qabar là-même, on finit commence à gagner là. Assiser, réfléchir le là. Sa place côté ouéna pour aller là, tipti là, six pieds font au là là. L'odounia ka ouéna un tas campement, un tas la case. Mais une seule place ouéna pour aller où? Une seule place ouéna pour aller, c'est dans sa fond la terre là. Imagine sa place ça. Imagine sa place avec ce ban douleur qui pour gagner là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand nous tenons une maillette, ceux qui nous connaissent, ils disent allez, ben, li mettre ça là, li fini, tourner dans le kafan, dans le Kabarastan, nous faisons son amadjanaza, ensuite, nous avons fini. Après des jours, tu as dit, nous avons fini, prendre une plaque avec un bout de ferraille, une piquée, ici, repose un tel. C'est là qu'il nous a reposé là. Alhamdulillah, si nous vivons sur la vie correcte, la terre, Allah, Ta'ala, fin satisfait avec lui, il peut le reposer là. Mais on ne connaît pas si il peut le reposer là. Parce qu'il y a plein de places de repos pour tout le monde. Et il y a ce douleur là-dedans. Et oublier douleur. C'est ce welcome, ça, Kabar. C'est ce welcome. Vous connaissez que welcome d'un Dimoun, soit qui après 5 ans, 11 ans, ou bien qui jamais même dans le côté, ça Dimoun là qui fait. Qui l'in fait, ça Dimoun là? Soit il prépare un ban bon manger, il gagne pour, soit il prépare un des ban gâteau qui sauve à l'ouda, il gagne, t'es un tel pour venir à moi visite. Mais ça cobre là, les courbrantes là-dedans là. Premier fois belle là-dedans là. Comment les pour welcome ou comment les pour accueil ou? Ça cobre là sur l'accueil, ça même assez. Ça cobre là sur l'accueil, ça même assez. Un cobre, l'issir un dimoun, comment les rentre là-dedans? Pas n'importe qui dimoun. L'issir ça dimoun là, une qualité serrée qui se côte côté droite. Rentre dans ce côté gauche et ce côté gauche monte dans ce côté droite, ensuite il ocle. C'est ça même ce welcome. Fais-toi connaître, côte ça te fin vinil. Oui. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lil qabri darta. Certainement, qabar diena ban siyama. Law kana ahadun nadiya minha. Si seulement tiena en kiken qui peut sauver avec ça. Écoute sa parole là bien. Si seulement tu as un kiken qui t'y pour sauver avec ça, ça veut dire pas fin et n'a personne qui fin sauver avec ça. Si tu as un kiken qui t'y pour sauver, Nadia Saad bin Mu'adh, c'était Saad bin Mu'adh. Si Lili pan sauver avec ça, c'est un mort kabar là. Pas penser que nous pour sauver avec lui. Saad bin Mu'adh, c'est pas un dimoun ordinaire ça. C'est un dimoun qui fin intekal, ben malaika fin descend de son mayette. Man malaika, man ange fin descend de ce janaza. C'est un dimoun quand il fin intekal, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ihtazza al-arsh. Trône Allah fin tremble quand il fin quitte sa dunya là. Sa qualité dimoun là, sa kabar là pas fin quitte, pas penser qu'il pour quitte nous. Et l'autre occasion encore parmi, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et son sahabi tipe al-Kabarastan, tu peux aller rendre visite ban dimoun mo. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'assise l'un qabar. Enfin, pas l'un qabar, mais chafir il qalb. Il vient assise le rebo en tombe.
et les fin pleurer fabaka hatta ballathara les fin pleurer jusqu'à qui ça la tire côté les pieds assis là fin tremper. Tu comprends qui peut dire où là jusqu'à qui ça la tire côté les pieds assis là fin tremper pas un petit kit l'homme qui l'inverse là ça la tire là fin tremper et il adresse à son sahabi il dit يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. Et mon bon frère, prépare aux autres pour ce qui peut venir après. Prépare aux autres pour ce qui peut venir après. Parce que vraiment, c'est pas l'étape facile, ça qu'on parle de Kabar. Quatrième point de réflexion qui va nous savoir amener afin qu'il nous gagne la paix pour Allah Ta'ala. Cinquième point, c'est At-tafakkur fil qiyam. Pense Yawmul Qiyam. Qu'on a pour lever depuis le Kabar, nous en a pour présent devant Allah Ta'ala. C'est pas un jour facile ça. Yawmul Qiyamah, c'est pas un jour facile. Ya ayyuhannas uttaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Eh ben dit moun pèse au trope, certainement situation tremblement qui pourna yawmul qiyamah, li pas un petit qui chose, un grand qui chose. C'est un bon tremblement, une bonne situation, une bonne difficulté qui pourrait qui jamais fin exister encore au Sadounia là. Jusqu'à même qui Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'ayat là même, il continue wa taran nas sukara wa ma hum bisukara walakin adhab Allah shadid. To boutou ban dimoun comme si dirait zot fin sous, zot dans sous les ons, ajez zot pe ba l'autre dans droite dans gauche wa ma hum bisukara. Fais attention, zot pas fin sous les ons. Zot palo le fait l'alcool zot inna adhab Allah shadid, certainement punition Allah Ta'ala li bien dur. Ça joue là beaucoup de monde pour dans la peine, beaucoup de monde pour dans difficulté. Qui qualité la peine bejaou là nous dans l'été là soleil il y en a sur distance avec la terre, mais là même nous peut commencer tremper, nous fatiguer, nous chauffer, nous transpirer. Ou imagine où ça joue là, soleil pour descendre plus près avec Dimoun. Soleil pour descendre plus près avec Dimoun. Jusqu'à un avant Dimoun pour transpirer. Cette transpiration peut arriver jusqu'à votre genou. Ou bien même jusqu'à votre l'écho là-haut. Et là qui peut même plonger dans cette transpiration. Il n'est pas un jour facile. Et ça joue là, pendant l'ombrage. Hein? Ça joue là, pas penser pour un bout de bâtiment, un bout de pied ou pas cacher d'un petit guide. Non. Il y a où mal à là, il l'a de l'eau. Ça joue là, pas pour n'a aucun l'ombrage, excepté trône Allah Ta'ala sur l'ombrage. Et malheureusement, il n'y a pas une place publique. C'est cette catégorie du monde qui gagne place dans l'ombrage. Si vous n'avez pas permis ça, c'est là, oubliez sa place. Ce n'est pas un jour facile. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Aisha radiallahu ta'ala anha. تحشرون حفاة غراة غرلا. Une autre façon encore pour faire nous qu'une difficulté qui pourrait dans ce jour là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam y adressé avec ce madame lui dit ban dimoun pour lever ce jour là comme si dirait ban pauvre ban dimoun qui peine à nonier et zot pour nu pas pour aller aux autres, hein, pas pour aller aux autres. Ou réaction comme ça là. Ça, madame, là, si tu parles. Aïcha, ta radiallahu ta'ala, anha, ici, sur réaction, tu parles. Il dit, Ya Rasoul Allah, al-rijal ou al-nisa, yandhuru ba'duhum ila ba'd. Ban zom, pouget ban madame, et ban madame, pouget ban miché. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, djali, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhak. Sa difficulté qu'ils ont poété sa jour là, sa situation qu'ils ont poété sa jour là, ça qui s'osa pas pour avant zot non rien. Zot pas pour gagner le temps même prendre compte ça qui s'osa. C'est il imagine où qui qualité la peine du monde poété sa jour là. Cinquième point qui est avec nous qui man savons amener afin que nous capables gagner la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafur الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. دي ديرني بوين كي افيك نو سي التفكر في كتابك.
quand nous nous présentons devant Allah subhanahu wa ta'ala, chaque djimoun pour gagner ce livre. Chaque djimoun pour gagner ce record. Nous capables de faire une action qui nous fait oublier. Mais Allah ta'ala pas fait oublier. Ahsanhu Allahu wa nasu. Allah ta'ala fait une record, fait rappel li. Toi tu fais oublier li toi. Mais Allah ta'ala le jour de Qiyama pour donner toi ton livre dans ton main. Et tout djimoun pas pour gagner autre livre pareil. Tout le monde pas pour gagner autre livre pareil. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara. Ça joue là tout nafs pour tous autres bonnes actions devant autres bonnes bon actions qu'ils ont fin faire wa ma amilat min sou même bonnes mauvaises actions qu'ils ont fin faire tawaddu law annaha law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Quand je pour tous autres bonnes mauvaises actions je prends un souhait garde-moi loin avec mon bonne action. C'est ça souhait là qu'ils ont pris dans sa jour. Garde-moi loin avec mon action. Et dans l'autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yakulu ha uqra'u kitabiya. » C'est le moment qu'un mu'min gagne droit de faire, comme on appelle, comme on nous dit, grand noir. Il montre sur l'arrogance. C'est à ce moment-là. À ce moment, quand il gagne son livre dans son âme droite, là, il dit « Ha !» Lis mon livre, get mon livre, get mon record qui m'ont gagné. Mais pas tout le monde qui peut faire ça. Pas tout le monde qui peut faire ça. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi. C'est lui qui finit gagner ce livre dans son armée gauche. Du moment où il gagne un livre dans l'armée gauche, connaît qu'il n'a plus pire perte à nous devant. Connaît qu'il n'a plus pire perte à nous devant. Ya laitani lam uta kitabiya. Malheur à moi, plutôt mon petit gagne mon livre. Plutôt, je n'ai pas gagné mon livre. Ou je n'ai pas gagné. Plutôt, je n'ai pas fait moi-même contre mon compte. Plutôt, je n'ai pas fait moi contre mon action qui m'a fait faire. Alors, si j'ai un point de réflexion, mazine, attention. Attention. Sans la frayer, Allah m'a fait vivre sur la terre. Attention, quand je rentre contre Allah subhanahu wa ta'ala, je gagne mon livre dans mon âme gosse. Septième et dernier point qui est avec nous, c'est At-tafakkur finnari wa shiddatiha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit « Narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam » Ça dit fait qu'ils ont servi l'Ola Tiala les une partie parmi 70 parties qui dit fait l'enfer et na. Ça dit fait que vous servez tous les jours là là. Ou bien dans un moyaz ou tout vous mettez 10 bois après na limé là là là. Donc des glans la viande là peut cuire. Nous connaissons la viande là là dans nous. Nous pas connaissons ça à douler que ça la viande là peut gagner là. Nous pas peut connaître là nous. Imagine où Dieu fait l'enfer, les 70 fois plus prendre sa place là, vient là, mais où là-dedans là? Elle imagine où couper venir là-dedans. Pense à l'enfer là. Pense à la douleur qui est dans ce ban adab là. Ça capable de faire payer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit wala immasatuhum nafhatun min adhabi rabbik. Quand un bout, un nafha, qu'est-ce que c'est ça un nafha? Ça me tout. C'est ce qu'on appelle un nafha. Un petit, la brise, un petit soufflé. Un petit soufflé de sa punition là, tous autres. Qui va nous dire? La yakoulouna ya waylana inna kunna dhalimin. Malheur à nous, nous t'y permis, man qui peut faire zouloum. Pas encore adab là, pas encore tous autres là. Pas encore en plein dans sa punition là. C'est un petit soufflé. Qui est douleur qu'ils ont fini gagner. Alors imaginez qu'ils peuvent passer là dans ce. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, plus petit pinichon qui est dans l'enfer, et là, c'est un soulier, on la brise, on dit fait, pour mettre dans les pieds en bas. Et détail, je ne vais pas pratiquer, moi, sur le différent, non, ça soulier là, là, pour mettre, il est en flamme jusqu'à où la cervelle. Petit pinichon qui est là dans l'enfer, ça. Plus pire que ça, et là, encore pire. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour nous terminer dans le hadith, il dit, أما أهل النار الذي هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أن بنجمون dans l'enfer, tout بنجمون dans l'enfer, ni zot pour vivre, ni zot pour mourir. Mais qui zot pour être? Ça même tout nous connaît là nous. Soit un djimoun li vivant, soit un djimoun li mort. Mais dans l'enfer, ni to pour mourir, ni to pour vivre, ni to pour vivre. Tout au milieu. C'est-à-dire, comment ton fini, Allah Ta'ala fin fini toi, les refaire toi. Comment tu finis de refaire, Allah Ta'ala refinit toi. Ça roule mal à lui pour continuer comme ça même dans différents enfers. Alors,
pense ça différent l'enfer là, ça capable augmente la prière pour Allah Ta'ala. Voilà, c'est sept points qui vont savoir fin amène de l'avant afin qu'il nous réfléchisse, qu'il guide, nous capable augmente ça la prière là pour Allah Ta'ala. Parce qu'il nous existe des choix devant nous, existe des options devant nous. Soit nous payons Allah l'eau la terre et quand nous présente devant lui nous content, soit qu'il nous content l'eau la terre nous vivre comme on envie. Et qu'on nous présente devant lui, sans doute, nous pouvons gagner la prière pour lui. Envoie une bénédiction et l'appel au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fa'a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله اتقوا الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.